Bonjour, 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 mes hommes de Fab. Bonjour. Bonjour, 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 venez. Venez, 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 venez. J'ai un petit débat, une petite discussion de quelques minutes avec vous. Vous savez, hein, Geneviève, c'est toujours tac, 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 on est toujours en train de courir, hein. Vous voyez? Allez, venez, mes anglophobes. Venez, 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 venez. Bonjour, mes anglophobes. Bonjour, 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 bonjour. Je suis désolée, je ne mets pas souvent l'heure et tout le reste. Donc, ben, voilà, parce que moi, je lance quand c'est possible. Hein, donc, voilà. Venez, likez, partagez, entrez dans le direct. De toutes les façons, même si vous n'entrez pas maintenant, vous aurez le temps de voir et puis de partager. Hein. Allez, bonjour, 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 mes anglophobes. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous savez, en ce moment, il y a, on peut dire, un seul sujet aujourd'hui sur la table. Un seul sujet et un seul sujet, nous savons tous très bien, qui nous émeut, qui nous trouble, qui nous touche, tout ça, nous sommes des êtres humains. Et voilà, excusez-moi, donnez-moi 5 minutes. Vous savez, quand on dit 5 minutes, chez nous les Africains, quand on dit 5 minutes, c'est 5 secondes. Hein? Bon, voilà. Tout est toujours soit exagéré, soit revu. Hein? Donc, j'ai dit 5 minutes, je voulais dire 1 seconde. Voilà, mes anglophones, même si j'ai le sourire, mais le cœur, il saigne. Le cœur, il saigne, pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous le savez très bien, nous avons notre fils, notre frère, notre cousin. Notre ami, notre amant, notre patron, notre arrière-petit-fils qui vient de subir des choses atroces, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui. Voilà. Et cette histoire est en train de prendre de l'ampleur. Je ne peux pas ne pas en parler. Bonjour mes anglophobes. Je ne peux pas ne pas en parler parce que je fais partie de la famille des journalistes. Comme vous le savez bien, ceux qui ne le savent pas, je vous le rappelle aujourd'hui, je fais partie de la famille des journalistes. Je fais partie des premières dames photographes au Cameroun, photographes professionnelles, hein, c'était pas du n'importe quoi. Je fais partie des premières femmes photographes au Cameroun. Et après, avec le temps, j'ai créé, quand ils ont libéralisé la communication, j'ai créé un journal d'information générale. C'est pour ça que je dis, je fais partie. De la famille de la presse. Vous savez, le temps passe, les années passent, et après on passe à autre chose, on prend de l'âge, et voilà, on pense à autre chose. Et puis, non seulement moi, photographe professionnel, patronne de presse, mais j'ai été l'épouse, je suis la veuve d'un des grands journalistes sportifs du Cameroun. Et oui! Un des grands, 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 grands journalistes sportifs du Cameroun qu'on appelait Ignace Ngonga Katsi. Donc, ne serait-ce que pour ça, je suis tenue d'entrer dans ce grand, 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 grand débat qui se pose sur la table en ce moment. Et en attendant, en hommage, enfin, en hommage, oui, je prends 1 seconde. 1 seconde, hein, parce que comme d'habitude, j'ai peur que mon téléphone recommence à sonner comme d'habitude, parce que je suis toujours partie, parce que je suis obligée de travailler. Mes anglophobes, je vous l'ai dit, je suis ruinée aujourd'hui, on m'a tout pris, je suis obligée de travailler à toute heure de la journée, à toute heure de la soirée, mon téléphone peut sonner, donc je suis tenue de faire les choses très 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 vite. C'est pour ça que je vous l'ai dit, les dimanches, les samedis, peut-être, je ne sais pas, peut-être, je pense que c'est demain que je vais m'asseoir pour 1 heure. 1 heure et demie pour vous raconter, pour vous parler sérieusement. Aujourd'hui, là, je suis encore, j'ai un petit rendez-vous. J'ai donc peur que le téléphone commence à sonner. Donc, je prends 1 seconde
silence, en hommage à ce jeune homme, ce brave garçon appelé Martinez Zogo, qui vient de nous quitter dans des... Je trouve pas, je sais pas quoi dire, voilà. Voilà, merci. Je pense que la seconde est passée. Et au passage, je vous fais écouter quand même quelque chose de très, très, très lourd, de très poignant, de Argogaz Mela, en concert avec le grand Manu Dibango. Toujours en hommage à ces personnes que nous avons aimées et qui nous ont quittées. Choses dans le cœur. J'ai tellement de souffrance en moi et la mort de ce jeune homme, ce jeune garçon vaillant vient me réveiller, vient réveiller mes souffrances. Ma grande souffrance, ma première souffrance de jeune dame, ma grande souffrance, cet homme qui était tout pour moi. Tout pour moi, mon Pygmalion, mon Dieu, mon homme, mon amour, le père de mes enfants qu'on appelait Ignace Ngonga Kapsi. Qu'on appelait Ignace Ngonga Kapsi.
jeune homme me rappelle tout ça. C'est pour ça que j'ai mis sur ma présentation, quand j'annonçais mon direct de tout à l'heure, j'ai posé la question. Martinez Zogo, point d'interrogation. Pourquoi tant d'agitation, mes anglophobes? Pourquoi tant de bruit, mes anglophobes, autour de ce deuil? Qu'est-ce qui vous étonne? Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites comme si c'est nouveau? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça doit ébranler? Pourquoi? La mort de Martinez Zogo est en train juste de continuer à nous affaiblir, à nous enfoncer, à nous pousser à ne même plus avoir de cœur. Ça m'étonne, moi, aujourd'hui, que je coule la larme. Quand je coule la larme, parce que ce que moi j'ai enduré en tant qu'épouse de communicateur, en tant qu'épouse de communicateur, ce que j'ai vécu, à travers ce que mon pauvre époux a enduré à la CIA TV. Vous savez, nous avons des choses au fond de nous. Nous enfouissons des choses au fond de nous. Quand on parle de la résilience, on voit une dame comme moi qui monte, qui descend, qui sourit, qui fait le clown dans les télévisions, sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce que je transporte. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je transporte au fond de moi. Aujourd'hui, on est en train de s'étonner, on est en train de se poser des questions, on est sidéré, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Ignace Monga est mort en 2006. Ignace Monga Capsi, du service des sports, SIA TV est mort en 2006. J'ai envie de vous raconter un tout petit peu ce que ce monsieur a enduré à la SIA TV, mes anglophones. Pour que vous compreniez que nous ne sommes pas au début, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui, il y en a qui sont partis. C'est pour ça que j'ai écrit « Hommage à Ignace Monga Capsi, hommage à Jules Koumkoum, hommage à Bibingota, hommage à Pius Ndiaye, hommage à tous ces jeunes journalistes et puissants et forts et intelligents qui sont partis dans des... conditions. J'en ai la chair de poule. Vous voyez, moi, quand je bloque, c'est que j'ai la chair de poule, je n'en reviens pas. Mais je ne vais pas vous parler de tout cela. La mort de Martinez Zogo me donne l'occasion un tout petit peu de vous briefer sur ce que mon époux Ignace Monga a vécu, a traversé. C'est une grosse cabale. En général, vous savez, quand je parlais des narcissiques pervers, c'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le narcissique, ce n'est pas seulement entre l'époux et l'épouse. Le narcissique, ce n'est pas seulement entre le frère et la sœur, le père et la mère et le fils. Non, les narcissiques, ils sévissent même dans nos lieux de service. Les narcissiques sévissent même dans nos lieux de service, mes anglophobes. Je suis victime des souffrances, des tortures psychologiques que Ignace Monga Capsi, mon cher époux, a enduré, a subi à la CIA TV. Je suis le témoin de ce que cet homme. Ignace Monga Capsi est mort après 2 ans et demi de suspension de son salaire. Vous ne le saviez peut-être pas. 2 ans et demi de suspension de salaire, dites-moi mes anglophones, qui peut survivre à ça? Un père de famille, 2 ans et demi, on lui a suspendu le salaire. Tout simplement parce que les personnes avec lesquelles il travaillait ont décrété qu'il n'est pas de la tribu organisatrice. Je vous dis, je peux vous raconter ça sur toute une année. J'en ai tellement, j'ai des trucs pas possibles.
chose inimaginable que ce monsieur, ce garçon, il est mort à quel âge? Ignace Nonga n'avait même pas 45 ans quand il est mort. Le pauvre. Le pauvre. Et avant de mourir, il a tout subi. Tout. Ça, c'était à l'époque de Mendoza. Vous savez, quand Mendoza est mort, j'ai coulé une larme. Parce que Dieu m'a donné le cœur de pardon. Dieu m'a permis d'avoir ce qu'on appelle la résilience. Quand Mendoza est mort, quand Mendoza, ses problèmes ont commencé, quand j'ai appris qu'on l'a foutu en prison, quand j'ai appris qu'il a enduré tout ça, il subissait ce qu'il subissait, j'ai pleuré pour lui. Je veux vous dire la vérité, moi je ne viens Gontama, j'ai eu à envoyer 500 euros à Mendoza, moi, quand ça commençait à être très 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 mal. J'ai oublié tout ce qu'il a fait endurer à mon pauvre époux qui allait jusqu'à mourir. Vous vous rendez compte, suspendre le salaire d'un être humain, d'un père de famille, d'un cadre. Ce n'est même pas quelqu'un qui vivait de miettes ou de ceci. Un cadre de la fonction publique. On l'a réduit à la mendicité, mes anglophones. Mon mari est mort comme un clochard. Plus qu'un clochard. Plus qu'un clochard. Et personne n'en a parlé. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi vous vous agitez? Pourquoi est-ce que ça doit être comme si c'était nouveau? Parce que c'est écrit que certains sont des êtres humains, d'autres sont des chiens. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai perdu un chien à l'époque. J'ai fait un mois sans manger. J'étais à l'article de la mort, on était obligé de m'interner. Parce qu'on s'attache, nous sommes des êtres, que ce soit humain, que ce soit animal, que ce soit ainsi de suite, nous sommes, on s'attache. Nous devons être des personnes qui ressentent, nous devons avoir des émotions. Qu'est-ce que nous devenons? Où allons-nous? Où allons-nous? Je regarde aujourd'hui de temps en temps mon administrateur m'envoie des comptes rendus de ce qui se passe sur la toile. C'est grave. C'est grave. Entre les camps qui disent que c'est ceci, pourquoi cela, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, ceux qui disent ceci, ce... alors que nous devons tous nous mettre ensemble pour essayer de se poser la question, pourquoi est-ce que d'autres doivent partir? Pourquoi est-ce que d'autres sont appelés à crever? Pourquoi est-ce que d'autres sont appelés à vivre? Pourquoi certains font des coups bas à d'autres? Je vous dis, faisons attention. Je vous parle ici d'un certain Pierre Lebon Elanga qui était soi-disant très 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 collé à Ignace Nonga, mais avec le temps je me suis rendu compte que peut-être qu'il fait même partie des personnes qui l'ont bousillé. Oui. Quand j'entends un type comme Chantal Tuilet qui vient pleurer aujourd'hui, vous savez, des personnes comme moi, j'ai tout, je souffre, j'ai souffert dans ma chair, dans mon sang, dans mon psychique. Je suis restée debout par amour pour Ignace Nonga, j'ai élevé ses enfants. Je me suis retrouvée toute seule. Tous ses amis qui grappillaient autour de lui, qui tournaient autour de lui et tout, ils sont allés au deuil d'Ignace Nonga, ils sont allés raconter là-bas que « Oh, tu as laissé 4 enfants, je prendrai un, je vais m'occuper de un, je vais prendre un. » Tous ont fait des promesses là-bas, il y a des vidéos jusqu'à aujourd'hui. Je demande à vous les amis d'Ignace Nonga, lequel d'entre vous a cherché à savoir où sont les enfants d'Ignace Nonga? Depuis 2006 qu'il est mort. Vous tous les amis, les collègues, les soi-disant amis, les collègues, quand j'entends Chantal Tuilet venir pleurer, quand j'ai suivi les débats, hein, les problèmes, les soucis que Chantal Tuilet a rencontrés au Cameroun, j'ai dit, ah tiens, l'adage qui dit aujourd'hui ma poste, demain la tienne, donc toi aussi tu pouvais avoir des problèmes. Vous pensez être tout puissant, éternel sur cette terre? Toi, Chantal Tuilet, tu te rappelles d'où vient ta tribu de l'Est? Tu te rappelles que tu as travaillé avec moi dans l'Oriental Express? Tu te rappelles tout ce que tu as monté dans le dos de Ignace Nonga Kapsi
que ceux qui sont morts il y a 10 ans, il y a 15 ans, ces 15 ans et ces 10 ans, ces 20 années se sont rajoutés sur vous. Aujourd'hui, c'est votre tour. Je n'ai rien contre Martinez Zogo, parce que je me rappelle que c'est un garçon de temps en temps à l'époque qui faisait aussi souvent des piges dans mon journal avec le jeune Kofi Tché. Tous ces jeunes-là, j'ai travaillé avec eux. Je sais pour ça, j'ai mal. Je coule la larme aujourd'hui parce que je me rends compte que pourquoi ne pas se poser tous la question pourquoi et jusqu'à quand? Jusqu'où? Jusqu'à quand? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? À qui le tour demain? Vous là qui êtes déjà en train de chacun raconte sa vie quelque part. Et next. Chacun vient raconte sa vie. Et next. À qui le tour demain? Mes jeunes frères, mes vieux frères, mes oncles, mes tantes, mes époux, mes maris, mes enfants et tout. À qui le tour demain? Vous vous posez cette question? Aujourd'hui, autour de la mort, autour de la mort de ce jeune Martinez Zogo, au lieu qu'on se mette tous ensemble, qu'on se pose la question, où allons-nous? Que devenons-nous? Que devenez-vous, surtout vous les jeunes? Moi, j'ai réussi à cultiver la résilience. Quand les gens me regardent souvent, si les gens pouvaient imaginer mes souffrances, ce que j'ai enduré, si les gens pouvaient savoir ce que j'ai au fond de moi. Parce que si je me mets à vous raconter tout ce qu'on a fait endurer à Ignace Mbonga, à la CRTV, tous ces gens-là, les Pierre Lebon, les Langa, les Jean-Lambert Nang, les, tous ces gars de, du service des sports, je vous assure. Je me rappelle un jour, je suis allée voir Mendoza dans son bureau. Mon mari s'est retrouvé dans un genre de petit... On l'avait envoyé dans l'armoire. Un genre d'armoire où il n'y avait que son... Quand il est mort, mes soeurs sont allées là-bas, on a trouvé ses lunettes de vue. Il n'avait plus rien, on avait tout pris, on avait tout volé. Ils ont réduit ce pauvre monsieur à la mendicité. Les mêmes personnes avec qui il montait, il descendait et tout, et tout, et tout. Quand il leur demandait 1000 francs, on lui disait, on lui tapait le pied au cul. Un jour, le monsieur m'appelle et me dit, mais Geneviève, tu te rends compte que tel m'a donné un coup de pied au cul parce que je lui ai demandé 1000 francs. 1000 francs pour aller acheter du riz sauté à mes enfants. Si je vous donne le nom de cette personne, je pense que peut-être vous allez le chercher avec les machettes. Vous ne pouvez pas imaginer, nous avons tellement de choses que nous traînons mes enfants. Je coule les larmes parce que je me rends compte que nous ne sommes même pas conscients que ce sera le tour de chacun d'un d'entre nous demain. Si ce n'est déjà fait, pourquoi on se bouffe? Pourquoi on se bouffe? Je pense que la famille de la communication, de la communication, les artistes et tout, on devrait tous s'asseoir parce que c'est des métiers magiques, c'est des métiers nobles. Hein? On devrait, c'est le quatrième pouvoir, la communication. On devrait tous s'asseoir, mettre nos différends de côté et se poser des questions et implanter les vraies choses, implanter le respect, implanter. Vous comprenez? Pourquoi ce qui me fait sortir aujourd'hui, c'est tout ce que mon administrateur me dit que c'est grave. Toutes ces batailles que vous êtes en train de faire autour de la mort de Martinez Zogo, c'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, mes chers, mes très chers? Pourquoi? Si j'entre, une des choses qui me fait entrer dans cette bataille, c'est que on ne peut pas, parce que vous savez que moi, ma bataille aujourd'hui, c'est comment faire pour sortir les gens des griffes, les victimes, comment faire pour soutenir les victimes des narcissiques pervers. Lui, Martinez Zogo, aujourd'hui, on ne peut plus le soutenir, on ne peut plus l'aider. On ne sait pas quel est le narcissique pervers qui a eu le courage d'ordonner ce qui lui est arrivé. Parce que pour ordonner ce genre de choses, il faut être narcissique. Parce que narcissique, comme je vous ai toujours expliqué, narcissique, c'est celui-là qui se voit lui. Il n'y a que lui,
lui. Personne d'autre n'existe. Il faut être narcissique, plus pervers pour ordonner ce que ce garçon vient d'endurer. Il faut être vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire. Et vous savez, ma bataille, c'est justement combattre les narcissiques pervers. Ma bataille, c'est batailler batailler pour aider ces victimes des narcissiques, mes amoureux. C'est une des raisons qui me fait sortir aujourd'hui et de parler de ce jeune. Quand Ignace Monga est mort à l'époque, personne n'en a parlé. Même la CRTV, d'où est-ce qu'il dépendait, n'a pas parlé d'Ignace Monga. C'est passé comme lettre à la poste. Mais depuis que Ignace Monga est mort, depuis 2006, combien autour de lui sont partis? Vous voyez? Non, vous allez pas. Oh là là! Vous voyez? Vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte? Combien sont morts après lui? Hein? Ceux qui pensent que la terre leur appartient, ceux qui pensent qu'ils peuvent tout, c'est-à-dire qu'ils sont tout puissants, ils sont éternels et tout. Après la mort, depuis la mort d'Ignace Monga en 2006, il y a des centaines de milliers qui sont partis. Donc, mes chers anglophones, réfléchissons, regardons-nous, organisons-nous, essayons sincèrement de dialoguer, essayons sincèrement de poser les choses calmement sur la table, arrêtons les guerres, les batailles, les guerres, ce que nous sommes en train de faire là. Demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre, on va continuer à se batailler. Arrêtons ça. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait 10, 20, 15 minutes, je ne sais pas très bien. Je vais arrêter parce que quand j'ai un certain âge et quand je suis dans les mois, je suis dans la souffrance là aujourd'hui et la larme que j'ai coulée tout à l'heure, je commence à avoir des palpitations. Je suis désolée, j'aurais bien voulu continuer avec vous, mais je pense que demain c'est dimanche, je vais prendre le temps de m'asseoir pour une heure et demie de temps pour mieux vous édifier là-dessus. Sur les souffrances des communicateurs dans certains pays. Je vous embrasse très fort et je vous remets un tout petit peu à Bogas Mbella en concert avec Manu Dibango. C'est les plus grands, c'est-à-dire à Bogas Mbella, c'est les meilleurs. Manu Dibango, XXL. Allez, je vous embrasse et vous donne rendez-vous pour demain. À ciao. Est-ce que vous avez pris le temps de dire bonjour à l'arme fatale? Vous vous rappelez? Ce fouet qui vient des États-Unis, l'arme fatale, un fouet envoyé par une des victimes de Samuel Ango. Je vous le dis tous les jours, ne l'oubliez jamais. Chaque fois que vous me voyez, dites bonjour à l'arme fatale. Je vous embrasse très fort, mes anglophobes. Merci mes anglophones.